Eh bien, salut à tous, c'est Cyril. On se retrouve aujourd'hui, les amis, pour une nouvelle vidéo, deuxième épisode de la petite série Un jour un match. Comme vous avez pu le voir dans l'épisode précédent, j'ai essayé de, voilà, de faire un nouveau truc sur la chaîne. Pas de commentary, vraiment des actions bien sélectionnées, quasiment la vidéo qui est très bien coupée, avec une petite musique de fond. Et c'est vrai que d'après vos retours et vos pouces rouges, je parle pas pouce rouge en général, je parle pouce rouge accompagné de commentaires. Vous m'avez tout spécifié, ouais, c'est vrai que c'est quand même mieux une vidéo que tu commandes, c'est un peu pour ça qu'on te regarde. Donc c'est vrai que t'as raison, d'un côté vous avez raison. Donc voilà pourquoi aujourd'hui on va changer un petit peu le format d'un jour un match, enfin, on va repartir au schéma classique qu'il y avait la saison passée. Aujourd'hui pour la série un jour un match épisode numéro 2, on va faire la compétition It Begins, cela commence, en rapport avec bien sûr la reprise du championnat de la BPL, uniquement disponible sur SFR Sport. Ceux qui me demandent, il y a beaucoup qui demandent, oui, comment tu fais pour suivre? C'est que sur SFR Sport. Avant, c'était sur Bein, il y en avait sur Canal, mais non, c'est fini, c'est que sur SFR Sport. Comment avoir SFR Sport? Souscrire tout simplement à la box SFR et prendre l'option télé. C'est dommage pour ceux qui sont chez Orange, et etc. etc. mais c'est comme ça, c'est les parts du marché qui ont été rachetées. Donc c'est parti, on va partir pour la finale, une équipe, vous allez voir, assez intéressante. Il faut juste que des joueurs de BPL, quand vous verrez cette vidéo, donc on sera certainement dimanche, enfin dimanche aujourd'hui, voilà, vous aurez largement le temps de la faire, plus d'un jour, il faut juste une petite BPL, 18 joueurs, que des ors, classique. Et encore, mais non, c'est même pas, c'est 18 joueurs de BPL, donc mettez ce que vous voulez, même des argents, des bronzes, des boosts, des tots, donc c'est à vous de choisir votre équipe. Compétition avec 5000 crédits en gain, pardon, c'est très intéressant. Et un pack joueur premium BPL. Alors, c'est peut-être un sort de pack à 25K qu'avec des joueurs BPL. On verra bien en tout cas si on remporte la compétition. J'espère aussi qu'ils vont le faire pour les autres championnats. Du type Ligue 1, Bundes, Serie A, BBVA. Ça pourrait être cool de donner un petit peu d'envie à jouer à jouer à flux. Parce que c'est vrai que quand t'as gagné la Division 1, que t'as gagné une draft, t'as quasiment complété le jeu, faut être franc. Enfin, t'as un peu tout pu faire. Donc. Des petites compétitions, des championnats différents, comme j'ai pu voir dans l'épisode précédent. Il fallait une team D1 russe, c'est ce que j'ai fait. Et j'ai gagné. Donc voilà, ça change un petit peu et ça fait plaisir. Moi, on peut tester des éventuels joueurs, des joueurs transférés, etc. Pourquoi pas. Donc, pour cette compétition, au premier tour, j'ai gagné 3-0. En quart, 5-0. Et en demi-finale, je suis tombé contre une putain d'équipe de BPL full tot. Alors, c'est pas automatiquement les meilleurs joueurs à chaque fois. Mais il y avait déjà du Marez, il y avait Vardy, en défense c'était Hutt avec Smalling, au cage c'était Seth, il y avait Bellerin, enfin bref, une putain d'équipe full tots de BPL, match nul 1-1 et après j'ai gagné au Turbu 5-4. C'était un match franchement très équilibré, niveau des statistiques je crois, c'est la première fois de ma vie que je vois ça. Il y avait 13 tirs cadrés pour tout le monde et 14 frappes en total, donc en gros c'est la première fois de ma vie que je vois ça, des deux adversaires, et au final ça s'est joué au Turbu. Et seulement 13 tirs cadrés pour un seul but, c'est quand même très mec, hein, faut être franc. Donc c'est parti amis pour cette finale, la voici mon équipe. Alors un petit 4-3-3-2, on reste toujours sur un dispositif que j'apprécie énormément. Au cas, j'ai eu un petit plaisir, allez, je me suis dit tiens, hop, on va prendre Hugo Lloris version Futize. À droite Bellerin, à gauche Moreno, deux latéraux espagnols. Dans l'axe Bailly et Koscielny. Très cheaté et solide Bailly, j'aime beaucoup. Au milieu de terrain, Matic pour son aspect défensif et surtout sa puissance, hein, 94 et 88 de physique. Au milieu de terrain, on a un peu plus de puissance, long shot si vous voulez, avec des Atouré. Puis on a un petit numéro 10 en reculé, Ilkay Gundogan. À droite, un joueur transféré qui est Sofiane Feghouli. Alors j'hésitais beaucoup entre lui et Shaqiri pour tester. Je vais pas me faire une trop grosse équipe, du coup j'ai hésité entre les deux. Et je me suis dit, bah tiens, Feghouli, c'est que j'ai pas beaucoup joué avec. Il avait pris un up en 4 étoiles il y a pas mal de temps, autant tester. Puis en plus là c'est une version West Ham, un club que j'apprécie beaucoup. Enfin, j'aime beaucoup mais surtout parce qu'il n'y a pas être dedans. À gauche j'ai mis à Memphis Depay et en pointe nous avons bien sûr Daniel Sturridge. Voilà, donc l'équipe est plutôt pas mal. On va partir pour la finale en espérant bien sûr la remporter. Donc c'est parti amis, on va essayer de remporter cette finale. Voilà quoi, sur la remporte, 5000 crédits, un petit pack orb premium BPL. Et on pack Pogba. Voilà, ce serait le combo parfait. Non, on va déjà essayer de la remporter en tout cas. Et puis on va recommencer. C'est parti pour la finale. On va jouer à domicile. Vous savez, je vais vous dire un truc, une petite anecdote. Depuis que j'ai gagné la division, bah, le maillot je l'ai mis quoi. C'est vrai que je me suis dit, voilà quoi. On va mettre un petit peu. Et c'est vrai que j'ai les deux maillots débloquables sur FUT 1 qui était une compétition à gagner sur FUT où ils ont débloqué un maillot.
Et l'autre, c'était bah, bien sûr la division. Et bah, vous rendez pas compte, mais à chaque fois que je fais un match, voilà, que je tombe face à un adversaire qui voit directement la division, il rush hit. Moi, je sais pas, moi, ça me fait pas peur de jouer contre un mec à la division 1, mais il y en a, je sais pas, ils ont peut-être un peu peur. Voilà. Bon, on se retrouve en espérant trouver un adversaire. C'est le quatrième qui refuse. Non, lui, il veut jouer. Voilà, donc c'est parti, on joue la finale. Sans maillot en face. Oh, il a rush quitté. Bon, les amis, on se retrouve enfin pour la finale. Est-ce qu'il va jouer oui ou non? Je ne sais pas. Parce que c'est le sixième adversaire que je rencontre qui, voilà, qui quitte. Bon, les amis, on se retrouve. Est-ce qu'il va jouer ou pas? Oui, il valide. Il valide encore son maillot ou pas? Allez, s'il te plaît. Oui, c'est bon. C'est le huitième adversaire pour différent dans une finale. Je tombais 10-12 fois contre des personnes, mais une fois, c'était les mêmes. Mais c'est la huitième personne. Sept avant, quand je validais le maillot division 1, il rachitait. C'est bon, oui. Donc, on tombe contre une BPL. Très bonne BPL. Sterling Walcott, c'est pas mal. Diego Costin, me terrain assez offensif quand même. Même si ça reste des vrais MC, Schweinsteiger et Fabregas. Ouais, bah belle petite équipe, on va essayer de remporter hein, cette finale. On va voir comment ça va le faire. Allez, c'est parti, amis, pour la finale. Let's go. On va chercher Sofiane Feghouli sur le côté. Voilà, il la met à Yaya Touré. Yaya Touré, bah premier tir. Premier tir du match. Bien arrêté par le gardien. Allez, bien joué. Yaya Touré contre Sturridge. Voilà. Allez, Gundogan. On accélère avec Ike Gundogan. Ouais, bah écoute, il n'y a pas trop de solutions. Hein. On va pas perdre le ballon, tout simplement. Voilà. On va trouver une solution tranquillement. Matic, le pressing, bien joué. Allez, sur Sturridge. Non, sur Yatouré. Yatouré, juste à côté. Attention, hein. Bailey vs Sterling. Bon, physiquement, normalement, ça va passer. Mais là, si dribble. Voilà, bien joué. Allez, Gundogan. Pas de relance comme ça, hein, s'il te plaît. Attention à Santi Cazorla. Bien joué, Golduris. Bien joué ça, la montée de Laurent Koscielny, qu'est-ce qu'il est bon. Allez, on part en compte, Ilkay Gundogan, c'est du 4 contre 4. Si on arrive à gérer la situation, pour Yaya Touré, Gundogan, le lob de Yaya... Ah non. Eh ouais, putain, je suis vraiment pas bon au lob, c'est dingue. Bon les amis, c'est la mi-temps, très beau match, faut être franc, beaucoup d'occasions de part et d'autre, enfin ça joue bien au football. Après, il y a quelques petits lags des fois, enfin tout ce qui est drip, c'est compliqué à faire, t'as une petite latence et un petit lag, c'est un peu chiant. Mais bon, en tout cas, match qu'on vient assez équilibré, hein, on se crée quelques occasions, après, c'est sûr que c'est pas forcément abouti. 0-0, on a quasiment la possession, ce qui est très rare, hein, j'arrive souvent à avoir la possession, mais 53% max, tu vois le truc. Là, on est quasiment du 60-40. Ouais, c'est un beau petit match, il manque un peu plus de précision sur les centres, notamment de Feghouli, et puis je pense que ça devrait le faire. Allez, c'est parti, amis, pour la suite de la finale. Allez, même fils des pailles. Ouh, le départ de... Ouh, on le voit au-dessus, là. Sturridge. Et oui, je t'ai vu, Sturridge. Le grand départ de Sturridge. Le contrôle est magnifique. Face à Thibaut Courtois. Bien joué. Voilà, l'appel de Sturridge, je l'avais vu. J'ai pris mon temps. Parce qu'il y avait quand même Leighton Ben, je crois, le latéral droit. Enfin, gauche. Non, c'est Zabaleta ou je sais plus. Bref. Qui défendait. Non, oui, c'est Zabaleta. Parce qu'à gauche, c'est Baba. En tout cas, je l'avais vu. Le contrôle de Sturridge est parfait. Il se met en bonne condition pour frapper. Il tire et il marque. On mène 1-0 dans cette finale. Bien joué avec Yaya. Même fils des pailles. On accélère. Dans l'axe, il y a du Gundogan. On a vu Sturridge. Et voilà, le doublé, les amis, en l'espace de même pas 2 minutes pour Daniel Sturridge. Alors là, autant c'était un bon changement d'aile, limite une ballon profondeur au premier but. Là, c'est plutôt une action bien placée. Puis Sturridge, qui s'est initié entre Smalling et Baba, on lui met et il va finir 2-0. Non, non, ouais, il jouait vite là. J'étais sûr qu'il allait jouer vite. Et mes défenseurs sont pas du tout placés. Ouais, ouais. Oh ouais, magnifique. Ah ouais, ouais. Là, il a joué le coup franc rapidement. C'était pas du tout placé. Puis après, il a bien dribblé. Enfin, plus des coups de joystick avec son Walcott. Mais bon, c'est comme ça. En tout cas, il met une belle lucarne. Rien à dire. Putain, 25 ans, appuyé sur une touche. Allez, même fils des pailles. Là, faut éliminer compagnie. Hein. T'élimines compagnie, tu te crées une case. Pas éliminer, j'essaie de l'éliminer son compagnie. Et chercher une solution. Il y en a une ici. Sturridge, le crochet. Oh le poteau. Ah, j'ai bien pris mon temps avec des pailles et. Dommage. Ouh, bien joué ça. Ouais. Ça fait un peu plus de gris-gris que c'était utile, mais bon. Oh, encore un bel arrêt, dis donc là. Sturridge, allez. Triplé de Sturridge. Putain, ça veut pas rentrer. Oh, ça lag. Oh, le départ de Matic.
Après, c'est Matic aussi, mais. Depay, il est plutôt correct. Chercher Memphis Depay, bien joué. On a vu Gundogan qui est monté là. Avec Sturridge. Oh, l'action, bien joué ça. Oh, magnifique action, les amis. 3 buts 1. Ça part d'un petit appel en profondeur avec Matic. Matic est pas rapide, du coup, on a vite conservé le ballon. Fait un petit retour arrière, on est passé par l'axe, etc. Les petites 1-2, les petites combinaisons, le triangle. Et au final, eh ben c'est Sturridge qui va marquer son triplé. Oh oui, là, j'avais anticipé, je l'avais vu, la balle de compagnie. Allez, on va éliminer... Oh, magnifique ça, des pailles. Oh non, il avait tout fait, il avait tout fait. Bon bah bon, les amis, on remporte cette finale. Le match s'est vraiment décanté en seconde période. Même si c'était très plaisant en première, on a eu nettement moins d'occasions qu'on part en seconde. Le triplé de Sturridge qui fait bien, il a marqué un peu dans tous les compartiments du jeu qu'on puisse avoir, que ce soit de la vitesse, des placements ou des attaques placées tout simplement. Donc voilà, le triplé de Sturridge qui nous offre le trophée It's Begin, cela commence, en rapport bien sûr avec le début du championnat de la BPL. Voilà, oh, ça fait plaisir de voir ça. En tout cas, c'était un très beau match, j'en ai kiffé parce qu'en seconde période, vous avez dû voir énormément d'occasions. Vu que ça allait un peu partout, même pour nous, à la fin, j'ai raté une occasion avec des pailles. J'ai bien anticipé une relance, j'ai fait deux super dribbles et au final, j'ai tapé beaucoup trop fort. Enfin, c'est moi-même, hein, c'est pas des fautes de des pailles. Hein. C'est moi qui appuie trop fort sur la touche de tir. Voilà, donc 5000 crédits plus un pack de joueurs BPL Premium, le triple de Sturridge, les passeurs décisifs, Gundogan x2 ainsi que Memphis des pailles. Qu'est-ce qu'il est bon, des pailles quand même. C'est vrai que j'ai pas beaucoup joué avec lui cette année, mais il est quand même pas mal. Après, c'est vrai qu'un petit départ et 5 étoiles, ça sera encore beaucoup mieux. Donc voilà, 5000 crédits dans la poche. On a quand même bien 2000 matchs. En seconde période, on rappelle qu'à la mi-temps, on était à 2 tirs cadrés. Voilà, et au final, j'ai fait 7 tirs cadrés en 45 minutes, alors qu'il en a fait seulement 3. C'est pour le moment logique. Donc, on va aller ouvrir le petit pack de BPL. Alors, je sais pas ce que c'est comme pack. Peut-être, comme je dis, un pack à 25k. I don't know. Alors, oui, ça sort de pack à 25k. Il n'y a que des joueurs, c'est ça. Oui, c'est ça. Donc, en gros, c'est un pack à 25k. Mais 100% BPL. J'ai l'impression qu'il y a eu des genres de packs aussi hein, durant les tops BPL. Voilà. Allez, c'est parti, les amis. 12 joueurs au total. 3 rares. Bah, ça serait bien qu'on tape un petit pack pas. Ça serait la cerise sur le gâteau. Et, oh, Wayne Rooney. Bon, c'est un joueur de Manchester. Mais c'est pas. Oh non, t'es sérieux, 2 joueurs de Manchester. 2 joueurs de Manchester, ils sont un peu de l'époque, bah. Mais bon, ça fait plaisir en tout cas. Un petit Wayne Rooney, bah ça fait quoi? Ça fait... Oh non, mais c'est invendable, mais c'est chiant ça, putain. Bon, c'est pas grave. On va garder Rooney, ce qui peut m'intéresser, voilà, reste ça. Même si c'est des joueurs invendables. Allez, on va tout garder, on va dire. Mais c'est chiant, quoi, tu fais des packs où tu peux pas vendre les joueurs, c'est vraiment dommage. Et aussi, je sais pas si vous avez vu, on a eu Anita. Bon, rien d'extraordinaire. Allez, tiens, pour finir la vidéo et pour la finale remportée, on va ouvrir un petit pack à 35k. En tout cas, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo, les frérots. Et on termine sur... Oh, bah tiens, Matic, voilà. Magnifique joueur, Sonemania Matic, avec Oblak. C'est pas mal, ça. Ce fut un bon petit pack, quoi. Bon, c'est pas, comment dire, remboursé, tu vois. Mais rembourser ses packs à l'heure d'aujourd'hui, c'est très compliqué parce que la chute des prix, et en plus, les joueurs que tu peux packer, c'est que des informes pas très intéressants, à moins que tu packes des joueurs comme ici. Ça, c'est sûr et certain. Tiens, Mode City, on va le garder. Voilà. Donc les amis, si vous avez kiffé cette vidéo, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu, à voir aussi l'épisode précédent qui avait été avec une équipe, une petite D1 russe. Sur ce, prenez soin de vous, on se retrouvera dès peut-être lundi pour une vidéo, mais il n'y aura pas de stream lundi, le 15 août. Je suis pas là, simplement, donc il n'y aura pas de stream, il n'y aura pas pack tout D1, mais à partir de mardi, bien sûr que oui. Sur ce, les amis, prenez soin de vous et on se retrouve très très vite pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.